comment est-ce que vous allez bien? Moi, ça va comme tout ces billes, vous savez. Voilà, il y a une pluie qui a saccagé tout Lomé le samedi passé. Vous avez vu les vidéos, hein, vous continuez pas à voir les vidéos sur TikTok. J'espère que c'est pas si je dois encore appeler le nom du gouvernement ici, parce que je vois dans les commentaires, mes collègues au gouvernement, encore, c'est des insultes. Hein. Quand tu dis le gouvernement doit faire quelque chose, il y a des gens qui viennent en commentaire. Je sais pas si c'est des gens on a encore recruté, mais voilà, ils viennent avec des réponses, ils viennent avec du répondant en mode gouvernement, il y a pas si. Gouvernement, il y a bon quel quoi, donc voilà. Je sais pas ce qu'il veut que les habitants de ces quartiers fassent. Voilà, je sais vraiment pas. Bon, tous ceux qui sont dans le cas, grosse force à vous. Hein. J'espère que vous allez vous concerter dans le quartier pour trouver une solution. Allez voir les maires du quartier, les chefs cantons. Je sais pas, mais trouver une solution. Parce que venir exposer sur les réseaux là, ça va vraiment rien changer. En vrai, je voulais regarder les vidéos, les différentes vidéos hein, des quartiers saccagés par la pluie de la dernière fois. On se capte dans les commentaires et. J'ai peur. Le truc est construit en sable. C'est normal. Mais quoi nous avons mis ma terre? Oh, viva Horami, lo! Viva Zangerata, viva Horami! Oh, viens même au Dioti, si, mais. Ça arrive, Bigo! Oh, il est au Godia, mais allez, comment? Il est au Godia. Bidjo là! Il t'a dit pour porter kilo, tu vas me. Ah, vous voyez les fourmis, mais quoi que vous m'y allez? Mais pas gars, il y a le mien, toi. Bon, combien de copies là? A t'y gagne, à l'époque, il va beaucoup. Mais quoi? Mais quoi? Il faut copier, mais là. Tiens. Comment on va faire? Regarde. Eh, miato, mi konu ke o mira se mi pagayo lo. Nke mi le gba mi pagayo ne me ma di sale. Copia me keke a o mi ma tin se ke mi mda te o ni okwa. Eh. Zangira isi kone. Eh, vraiment, zangira isi gomi. Eh. Yo mi kora ke hole mu na mira. Nke o video. Yehowa. Bola, a jidda moto la home ke kemla. Brale, anya ko ni nyo ma. Mi po mu re. Hein, a mo yo dugo la home matin ya. Le gouvernement va prendre mes anti là. Mais pas mon bar home là. On doit gola home quelque mon. Mais le point tombe pas là. Il a pas mon laisser vivre bien. Hein? Toc bi vos deux tissimo onushi. Toc bi onushi quelque. Hein? Et nous on ne veut toc bi onushi. Quoi? J'ai dans mon dos gros fumoir. J'ai madame au dogo d'arrêt. J'ai madame au dogo que comme. On prend comme matin vite qu'il y a. Où sont gommés? Attends, on est. Ah? 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 Ah?
le coup mieux on est en guerre avec les gars. Parce que quand que ils ont mis au fond, ils ont mis des choses. Quand ils arrivent, ils vont pas mal. Les gars. Mera, Mera, assis au bord des fleuves, assis au bord des lacs, assis au bord des fleuves, assis au bord des lacs. Quel beau paysage, quel beau fleuve. Quel beau paysage, quel beau fleuve. Sur Lomé et peut-être ses environs. Et il m'a été rapporté que la pluie a duré au moins 2 heures de temps dans certains quartiers. Et ça fait pas mal de dégâts. Ça fait pas mal de dégâts. On a plusieurs quartiers qui se retrouvent sous les eaux. J'ai publié quelques vidéos qui m'ont été envoyées. J'en ai gardé plein d'autres que je ne peux pas publier. Parce que chaque année, c'est la même chose. Nous essayons de publier les vidéos. Tous les Togolais font des vidéos qui les publient sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des autorités sur la question des inondations, sur la question de l'assainissement de nos quartiers. Mais chaque année, pratiquement rien n'est fait. Comme j'ai eu à le dire ici, il y a 6 mois, vous avez des chantiers qui sont abandonnés dans le quartier de Baie, à Koresewa et tout ça. Aujourd'hui, il continue de pleuvoir. Ces gens-là ont toujours les pieds dans l'eau. Vous avez les gens qui sont vers Ligbacito, à Détikopé, qui ont les pieds dans l'eau. Vous avez des gens qui sont à Lankouvi, Segbe, qui ont les pieds dans l'eau, à Koresewa et tout ça. Et la zone portuaire, les gens ont les pieds dans l'eau. Et on ne comprend pas. Parce que lorsqu'on sortait de la grande saison pluvieuse, j'ai dit dans une des émissions que un gouvernement responsable devait commencer par prendre des mesures pour au moins commencer des travaux d'assainissement dans certains quartiers, afin que dans la petite saison, on ne retombe plus dans les mêmes travers, ou bien que les peines des populations soient un peu soulagées. Mais pratiquement rien n'a été fait. Et ce sont les mêmes vidéos des mêmes quartiers qui reviennent. Atito Adin, Ligbacito, Sobocito, Lankouvi, Adetikopé, Akoresiwa. Toutes ces zones-là, les gens ont actuellement les pieds dans l'eau. Pratiquement toute la capitale. Toute la capitale. Il n'y a pas un seul endroit aujourd'hui, à Lomé, Sopomaé, tout ça là, où on va dire que les populations n'ont pas les pieds dans l'eau, à part ceux qui vivent à la résidence de la Caisse, à la cité Ouya, et puis à la cité Millennium et Renaissance. Donc, dans la zone de Lomé 2, c'est eux seuls qui sont aujourd'hui à l'abri des inondations. Donc, aujourd'hui, les gens sont dans les inondations. Et on les pieds dans l'eau. On ne comprend pas si c'est un manque de volonté de nos gouvernants. Ils sont dépassés. On ne comprend pratiquement rien. Parce que normalement, lorsqu'on est sorti de la grande saison pluvieuse, on devait commencer par faire des travaux. On devait faire des travaux partout. C'est vrai, quand il pleut, il y a de l'eau. Et les inondations, c'est partout. Il y en a aux États-Unis, au Japon. Mais la différence, c'est que dans ces pays où il y a un système de drainage et d'assainissement, quand il pleut, l'eau envahit les rues. 2 heures de temps après, 3 heures de temps après, les rues sont dégagées. Tout est parti. L'eau part par les égouts. Tout part. Il y a eu
un ouragan la dernière fois aux États-Unis qui est passé par, je pense, la Floride. Il y a plusieurs maisons qui ont été détruites, toute la ville inondée. Mais deux jours après, à part les dégâts matériels, l'eau est partie. Mais chez nous, il y a toujours l'eau. L'eau est dans les quartiers depuis la saison dernière. L'eau n'est pas partie et aujourd'hui, il continue de pleuvoir et les gens ont les pieds dans l'eau. Et dans une période où on parle de choléra, on parle des maladies diarrhéiques et tout ça. Donc, il y a un danger permanent aujourd'hui pour les populations. Et la question de savoir que font réellement nos autorités. Qu'est-ce qu'elles font réellement pour soulager les peines des populations. La vidéo que j'ai publiée, la dernière vidéo que j'ai publiée avant de commencer le live, c'est sur la voie de Ségué. Quand on n'avait pas encore bitumé cette voie-là, quand elle était dégradée, les quartiers n'étaient pas inondés. Quand vous allez à Ségué, après Sagbado, tout ça, les quartiers n'étaient pas inondés. Je ne comprends pas que une zone qui n'est pas inondable, ou bien qui n'est pas inondée, après qu'on ait goudronné une rue, et tous les quartiers qui jonchent la rue sont inondés. Je ne sais pas si c'est un problème de calcul ou de manque d'assainissement, de mauvais calcul de ceux qui sont amenés à réaliser les ouvrages de ce genre. Moi, j'ai pas fait les PTP, mais je ne peux pas comprendre que on goudronne une rue et puis tous les quartiers qui bordent la rue sont inondés. Ça veut dire qu'il y a réellement un manque d'assainissement où les retenues d'eau qui ont été creusées ne sont pas dimensionnées de manière à recueillir suffisamment l'eau, où on ne devait même pas les construire. Donc, vous allez aujourd'hui vers Sabado, toute la zone avant de rentrer à Ségué, toute cette zone est inondée parce que on a eu une idée et foireuse de construire des retenues d'eau de part et d'autre de la voie. De part et d'autre de la voie, et donc les retenues d'eau, personne ne fait le calcul de la quantité d'eau qui tombe, la capacité de la retenue d'eau à avoir. Donc tous ces quartiers-là sont inondés. Les gens qui n'étaient pas inondés, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a fait la rue et puis les gens sont inondés. Normalement, quand on fait le goudron, quand on bitume une rue, on fait l'assainissement, les quartiers riverains ne peuvent pas être inondés. Donc, tout Lomé aujourd'hui a les pieds sous l'eau. Hein? À part quelques quartiers que je viens de citer, toute la ville de Lomé a les pieds dans l'eau. Et ce n'est pas. Et chaque année, c'est le même rituel. Chaque année, c'est la même chose. Ça va continuer jusqu'à quand? Les gens sont devenus des réfugiés. Les gens sont devenus des réfugiés climatiques dans leur propre pays. Actuellement, où nous parlons, les gens ont vidé les maisons. Les gens ne sont plus à leur domicile. Les gens vivent chez d'autres personnes. Hein? Et puis, ils ne savent pas quand est-ce que l'eau va se retirer pour qu'ils rejoignent leur maison. Ils ne savent pas. Parce que on n'arrive même plus à faire la différence entre la grande saison et la petite saison. Les saisons sont continues. Il pleut à tout moment. Et les dégâts de la saison pluvieuse passée ne sont pas encore arrangés quand la nouvelle saison arrive. Donc, l'eau s'accumule. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée pour les populations. Et franchement, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que on publie les vidéos, on publie le cri de cœur des populations, le cri de détresse, mais visiblement, les autorités même ne savent plus quoi faire de cette situation. Ils ne savent plus quoi faire. Elles ne savent plus quoi faire. Donc, il ne nous reste qu'à souhaiter beaucoup de courage pour nos compatriotes qui ont les pieds dans l'eau, à appeler à plus de solidarité. Si vous avez un coin dans un quartier ou dans votre maison où vous pouvez abriter des gens provisoirement, faites-le. Et le temps que les rues ou les maisons s'assèchent un peu pour que les gens retournent chez eux, il n'y a que la providence qu'on va implorer sur nos compatriotes et appeler à plus de courage, à plus de solidarité de l'ensemble des Togolais. Sinon, face à ce déchaînement de la nature et à l'incapacité des autorités à régler le problème d'assainissement dans la ville de Lomé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire encore plus.
Donc voilà, même quand on publie les vidéos, ça ne retient pas leur... c'est pas... Les gens sont tranquilles chez eux à la maison, ils sont en train de boire du champagne. Donc ils n'ont rien à foutre de tous ceux qui ont les pieds dans l'eau. Donc voilà ce qui se passe dans le pays. Et malheureusement, nous sommes en période de choléra, puisque on a sorti des communiqués qu'il y a le choléra qui fait ravage, et maintenant qu'il y a l'eau partout, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, il faut que les parents regardent un peu plus les enfants, parce qu'il y a des flaques d'eau partout, il y a des retenues d'eau partout, les enfants peuvent facilement faire un accident. Il faut que les parents soient de plus en plus vigilants. Il faut aussi que les gens qui sont les plus âgés fassent plus de vigilance quand ils voient des enfants qui s'aventurent dans des zones un peu dangereuses. Il faut quand même les... Ciao les gars. Voilà les gars, vous avez suivi les vidéos, vous voyez que c'est très grave. Hein. Et si ça continue comme ça, je pense que Amiko, Planik, bon, tu sens que toi, ils seront forcés, ils seront obligés de déménager. Amo, tu t'imagines, tu as payé un terrain, tu as construit ta maison, après la pluie te dérange jusqu'au point où tu déménages. Like, tu pars en chercher une autre maison à louer. Tu vois, ça c'est très grave. C'est très grave. Du coup, voilà, il faut vraiment que une solution apparaît très très vite. Pour faire de plus là, pour que ça s'arrête, pour que ça s'arrête, pour que Piro Goma va nous amouer quartier, va sortir Piro son nom d'Isalé, à son école, quoi, tout, quoi, tout. Ou bien c'est la solution. On demande au gouvernement de payer les pirogues, on garde ça chez le chef du quartier. Dès qu'il n'y a plus, on sort les pirogues. Puis Milan nous dit, Milan nous dit, c'est parce que là, moi je peux pas marcher dans l'eau comme ça. Hein. Tétanos, tuberculose, tout ce qui est nos là, pour vous attraper. Oui. De Torah, n'a doué, à m'y a pas mille gros sondes. Follow! N'a ouen, n'a deux, n'a ouen, 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 n'a